Hello everyone, thank you very much for coming to this new conference about Art Nouveau in Kiev. We are very very glad to welcome Jos van den Breeden for this very interesting presentation. I have also to say that everyone in the Art Nouveau network is quite concerned by the evolution of the situation and the protection of the Ukrainian heritage of Art Nouveau. And this invitation today is the first one on that topic. We will also let you know more information about what the Art Nouveau network can do with this situation, because one of the main goals of the network is to protect Art Nouveau heritage around Europe. So this first presentation will be given by Jos van den Breeden. It's personally for me, as a president of the Art Nouveau network, a pleasure to welcome Jos van den Breeden. We had the occasion to collaborate many times during the past. Jos is emerite teacher in the architecture department of the St. Lucas in Brussels. And he was one of the founder of the St. Lucas Archive, which is now part of the SIVA Foundation. He made many research and study in terms of architecture, lots of action in order to save Belgian heritage. And his connection today with Ukraine, of what happened in Ukraine now with the war, and what happened in Brussels during what we call here the Brusselization and the terrible destruction of a big part of the architectural heritage, this connection, this meeting make with the presentation of Jos this evening, and very special. As an architect, he's also specialized into reconstruction of architectural heritage. He published many books on Art Nouveau in Belgium, and the books, some of them has been written in collaboration with Françoise Aubry. And the books he wrote about Horta and about the Art Nouveau heritage are still very often read today. And it's still a book I also read very often, because in the history of Art Nouveau, you have, you know, some important books, and Jos van den Breeden is the author of many of them. Between 1996 and 2003, he has been invited in the National Academy of Fine Arts and Architectures in Kiev, a city where he came back very often in order to study, amongst other things, Art Nouveau. I hope, Jos, that I didn't forget or did anything bad regarding this presentation. So today he will present Kiev, capital of Ukraine, where the Art Nouveau arrived at the beginning of the 20th century. With the example of the house by Vladislas Horodecki, a very specific palace built in 1911. And he will say more about this as well. I am also very glad to see that we are about 46 today. It's quite a success. Thank you everyone for coming for this lecture. And thank you, Jos. Please, we listen to you now. Thank you, Benjamin. Donc, comme Benjamin a expliqué, entre 1996 et 2003, j'ai été visiting professor à l'Académie nationale des beaux-arts et de l'architecture de Kiev en Ukraine. En dehors de ma mission d'enseignement, j'ai appris à connaître et à étudier l'Art Nouveau grâce au professeur Tatiana Kileso. Entre 2003 et 2019, je suis retourné à Kiev à plusieurs reprises afin de suivre la rénovation et la restauration systématique de l'architecture Art Nouveau, qui n'était pas très appréciée
dans les années 1990. J'ai également assisté à la reconstruction du patrimoine ancien, comme la reconstruction à l'identique entre 1992 et 2000 de la cathédrale Saint-Michel et du site unique du monastère de Pécherex, comme la reconstruction qui a été reconstruit entre 1995 et 2000, c'est la cathédrale, les ruines de la cathédrale. Les photos que je montre maintenant, je les ai prises pour la plupart en juillet 2019. Malheureusement, avec la guerre actuelle, cette tendance à la rénovation et à la restauration du patrimoine Art Nouveau a cessé, et oui, ce patrimoine ainsi que le patrimoine plus ancien est gravement menacé. Avant de commencer par l'Art Nouveau, permettez-moi de vous donner en vitesse, grande vitesse même, un très bref aperçu du très riche patrimoine architectural de la capitale Kiev. À gauche, vous voyez l'intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie, 11e siècle, patrimoine mondial de l'UNESCO. À droite, l'entrée du monastère de Pécherex, 12e siècle et époque baroque. Suivant. La cathédrale de Saint-André en style baroque à gauche et la Banque nationale du début du XXe siècle. La cathédrale Saint-Volodymyr, dernier quart du XIXe siècle. Suivant. Il est clair que l'Art Nouveau a proposé dans toute l'Europe de l'Est, a prospéré dans toute l'Europe de l'Est. Néanmoins, l'Art Nouveau à Kiev est beaucoup moins connu. Il n'est pas possible de mettre en évidence la richesse de ce patrimoine en montrant seulement 8 bâtiments Art Nouveau. Toutefois, j'ai choisi les meilleurs exemples. Au sein même de l'Art Nouveau européen, on observe plusieurs tendances qui dépendent de la façon dont les architectes de la seconde génération de l'Art Nouveau ont interprété l'architecture des pionniers comme Victor Horta, Henri Van de Velde, Hector Guimard, Charles Rennie Mackintosh et Anthony Gaudi. Le même phénomène se produit à Kiev. En très peu de temps, on voyait également apparaître sur le marché un grand nombre de publications, de revues d'art et d'architecture, et même des cartes postales, par lesquelles le nouveau langage de l'Art Nouveau allait être répandu. Aussi, la notion de l'art dans la rue prenait forme. Toutes sortes de formes d'art appliquées ornaient les façades. Un art de façade se développait au service de l'embellissement de la ville, disons l'art dans la rue. Dans les médias de l'époque, on l'appelait l'art public. La diaspora de l'Art Nouveau belge, français, viennois et catalan a fait son entrée en Ukraine dès le début du XXe siècle. La ville de Kiev se transforma autour de 1900 en une ville cherchant à égaler les grandes capitales européennes. Entre 1900 et 1909, l'Art Nouveau floral domine, marqué par une stylisation du monde de la nature et de la vie animale. Après 1910, on assiste au développement d'un Art Nouveau géométrique. Le suivant. En 1903, le magazine parisien La décoration ancienne et moderne publie quelques photos de la résidence, un véritable palais, de l'architecte Vladislav Gorodetsky. Sa maison personnelle, se situant dans l'ancien quartier résidentiel de l'aristocratie, est l'œuvre Art Nouveau la plus spectaculaire. Ce palais de l'architecte Gorodetsky, on l'appelle le Gaudi de Kiev, est connu sous le nom de Maison aux Chimères. Construite entre 1901 et 3, sur le flanc d'une colline, il est parfaitement adapté à la forte déclivité du terrain. Ainsi, la façade principale, qui se situe du côté de la rue Bankova, s'élève sur 3 étages, tandis qu'en contrebas, à partir de la rue Ivan Franko,
on repère la maison avec ses 7 étages de loin sur les hauteurs. Les façades arrière et latérale dominent le paysage urbain et impressionnent le promeneur par leur caractère plus simple que la façade principale, mais surtout par leur monumentalité. Un escalier mène aux terrasses qui l'entourent. La maison fut construite sur une cinquantaine de pieux en béton armé, enfoncés dans le sol sur une profondeur de 5 mètres. Initialement, l'immeuble comportait 7 appartements, dont 6 à location, et l'appartement personnel de Horodetsky, établi sur une superficie de 3300 m². Tous les appartements étaient constitués d'une partie habitation et une partie professionnelle, reliées entre elles de manière fonctionnelle. L'architecte Horodetsky, un homme assez étrange, est originaire d'une vieille famille noble polonaise. En 1890, il termine ses études à l'Académie de Saint-Pétersbourg, puis travaille pendant 30 années à Kiev. Il est entre autres le créateur et le cofondateur, en 1898, d'une entreprise de béton à Kiev, avec une usine qui s'appelait Fort, maîtrisant parfaitement la technique du béton armé. Durant sa carrière d'architecte, il construisit des immeubles en style classique, néo-gothique, mauresque et art nouveau, pour la plupart en béton armé. En 1920, il émigre en Pologne et s'établit à Varsovie. À partir de 1928, il passa ses dernières années et de sa vie en Iran, à Téhéran, où il travaillait au chemin de fer. Il construisit la gare de Téhéran et modernisa l'hôtel et le palais du Shah. En 1930, il est enterré au Dulap Catholic Cemetery de Téhéran. Le suivant. L'image suivante. Oui. La précédente. Oui. Le bâtiment a été complètement restauré en 2002 et sert actuellement à accueillir les invités du président de la République d'Ukraine. Le suivant. À la tombée de la nuit, le bâtiment prend une allure encore plus étrange, la maison des chimères. Suivant. La façade recouverte de décorations sculptées est la plus impressionnante. Les sculptures en ciment armé, béton, de l'usine Forte ont été réalisées par le sculpteur italien Elio Sala, d'après les projets de Horodetsky. Le sculpteur Elio Sala travaillait et enseignait à Kiev de 1895 à 1914. Il collabora plusieurs fois avec l'architecte Horodetsky, notamment pour le musée municipal des arts et des antiquités, pour l'église néo-gothique Saint-Michel et l'ancienne synagogue en style hindou à Kiev. Les motifs sculptés tirés du monde floral et animal nous rappelle que la création artistique Art Nouveau avait pour inspiration la nature, dont elle célébrait la force vitale. Suivant. Pour créer ce bestiaire et les trésors de chasse, l'architecte s'inspira des souvenirs de voyage effectués dans les années 1885 à 1899. En tant que membre d'une série d'associations de chasse, il effectua des expéditions scientifiques et de chasse en Asie centrale et en Afrique. Suivant. Sur un socle à gauche du bâtiment, on remarque une sculpture qui représente la lutte d'un aigle avec un panthère. Une sculpture signée et datée 1902 par Elio Sala. Suivant. La partie inférieure de la façade principale, côté salle d'apparat et de l'entrée, est ornée de colonnes semi-circulaires, élevées sur 2 niveaux. Les colonnes du porche d'entrée reposent sur un bloc de rocher,
sous lequel une cascade déverse ses flots d'eau. Suivant. Au centre des cannelures, des lézards sont entrelacés. Suivant. Une tête d'éléphant est incorporée dans la pierre du socle, grossièrement taillée. Suivant. L'entablement lui-même est surmonté de têtes de rhinocéros. Suivant. Dans la partie supérieure de l'élévation, on retrouve une prolifération de motifs issus de la flore et de la faune. Une série de grenouilles est assise sur la corniche parmi d'énormes nénuphars. Des néréides assis sur le dos de monstres marins, prisonniers de filets de pêcheurs, de cordages et d'algues, des plantes ayant la forme de vases décoratifs. Au bas d'une coupole semi-circulaire située au-dessus de la cage d'escalier, un aigle s'acharne sur un dragon de forme bizarre. Suivant. Voilà encore un détail. Anthony Gaudi aimait également intégrer des monstres dans son architecture, comme dans la fontaine qu'il a construite avec l'architecte Joseph Fonseré en 1888 dans le parc de la Ciudadela à Barcelone. C'est une des premières œuvres de Gaudi. Suivant. Les motifs sculptés tirés du monde floral et animal nous rappellent que la création artistique Art Nouveau avait pour inspiration la nature, dont elle célébrait la force vitale. Suivant. Un serpent se déplace sur l'angle gauche de la façade. Suivant. Encore une fois, la représentation de monstres et de motifs animaliers dans l'œuvre d'Anthony Gaudi. Suivant. Le plan est complexe et asymétrique. Le bel étage, côté façade principale, était occupé par Gorodetsky et sa famille. À l'arrière du bâtiment, au troisième étage, il avait ses bureaux et à l'étage inférieur, sous le hall, se trouvait son atelier. Le vestibule et l'entrée, les pièces d'habitation, le grand et le petit salon, le bureau et la salle à manger sont situés du côté de la façade principale et latérale. Les chambres, le boudoir, et le cabinet de toilette sont disposés à l'arrière de l'appartement. La cuisine est reliée à la salle à manger par un dégagement autour d'un escalier ovale. Les offices, la chambre de la gouvernante, sont orientés vers la partie droite à l'arrière. Je résume, si vous voyez le numéro 1, le grand vestibule d'entrée en forme octogonale, mène directement vers l'escalier monumental. Le numéro 3, c'est le bureau de Gorodetsky. Le numéro 4, le grand salon. Le numéro 5, le petit salon. Le numéro 6, la salle à manger. Les numéros 9, 10, 11 et 12, le boudoir, les sanitaires, la chambre à coucher, la chambre des enfants. Et le numéro 16, la cuisine et ses dépendances. Le suivant. La coupe transversale que vous voyez à gauche montre que la calèche pouvait entrer grâce à un plan incliné. À droite, vous voyez le plan de la façade latérale. Le suivant. Les façades arrière et latérales dominent le paysage urbain de la ville de Kiev et impressionne le promeneur par leur caractère plus simple que la façade principale, mais surtout par leur monumentalité. Suivant, une partie de la façade latérale comporte des terrasses. Le suivant, bon, les thèmes marins et floraux de la décoration se prolongent à l'intérieur du bâtiment avec encore plus d'intensité. Voici l'entrée vers le salon et la salle à manger. Le suivant, un détail de l'entrée, le petit salon. Suivant, des thèmes vivants
et humoristique dans cette frise au plafond. Le suivant. Vous voyez à gauche deux oiseaux qui se battent entre eux et les plumes s'envolent. 31. Dans le hall d'entrée, on se retrouve dans un monde sous-marin, voir cette ancienne photo et la réalité. Suivant. Des poissons marins sont peints sur les murs et à droite, vous voyez une épave de bateau. On se trouve même tout à fait dans un monde sous-marin. Suivant. Ici, la même peinture murale. Le plafond du hall d'entrée est orné d'un bas-relief, une énorme pieuvre polychrome dont les tentacules sont entremêlés de poissons, d'algues et de tortues de mer. Je vous montre dans les dias suivants les détails. Vous voyez des poissons, des tortues de mer, et toutes sortes d'animaux aquatiques. Suivant. Et vous voyez que les poissons nagent dans le plafond. Bon, le plafond du hall d'entrée est orné d'un bas-relief. Une énorme pieuvre, oui, ça je l'ai déjà montré. Sur cette dia, vous voyez l'entrée vers la cage d'escalier. Suivant. Les murs de la cage d'escalier sont ornés de trophées de chasse, d'oiseaux et de gibier en stuc. Suivant. Bon, le magazine parisien, La décoration ancienne et moderne, publie en 1903 également des photos de la cage d'escalier. Suivant. L'escalier monumental en marbre blanc est clôturé par une balustrade formée d'une série de pattes griffues de rapaces. Sur les murs, un décor dense et peint en peinture et en stuc représente des plantes, des fruits, un léopard, des biches et des bois de serre. Le palais Gorodetsky sert actuellement à accueillir les invités du président de la République d'Ukraine. Voir la photo à droite. Je ne donne pas de commentaire. Suivant. L'escalier principal est également décoré d'une sculpture en forme de lanterne avec deux chimères marines entrelacées, pourvues de queues dressées vers le haut, entourées à l'époque de palmes. À l'époque, il était éclairé au sommet par un dôme en verre, comme vous pouvez le voir sur l'ancienne photo. Suivant. Donc ici, vous avez une vue de l'étage supérieur qui mène avec un escalier en colimaçon vers l'étage supérieur. Je ne pouvais à l'époque que visiter les étages nobles. Dans le bureau et le grand salon, des peintures murales du peintre Eugenio Sala, le frère du sculpteur, représente un chasseur dans les marécages. Vous le voyez sur la dia à droite, presque au milieu. Il jette une lance, un poêle en faïence colorée, suivant, et est orné de motifs sculptés de fleurs et de figurines féminines. Le dia suivant. La salle à manger, non, c'est encore le bureau. Okay, vous voyez M. Johnson et M. Zelensky. Suivant. La salle à manger présente un décor floral et aquatique et est élaboré dans les moindres détails. Le lustre que vous voyez à gauche est fait de bois de serre. Suivant. Et le suivant, bon, il y a celui-là,
Même une console est réalisée en forme de crabe. La maison est un exemple quasi unique en Ukraine de l'architecture Art Nouveau à caractère organique, apparenté à l'œuvre d'Antoni Gaudi. Gorodetsky était d'ailleurs considéré comme le Gaudi de Kiev. Suivant. Un des meilleurs exemples de l'Art Nouveau à Kiev fut créé en 1907 par l'architecte Ignacy Ledochowski et le sculpteur Fedor Sokolov. C'est la clinique du docteur Piotr Kaskovski. Élevée sur deux étages, elle fut construite pour servir d'immeuble unifamilial et de clinique des yeux. Le volume général du bâtiment est subdivisé par une partie centrale en décrochement qui présente une fenêtre arrondie à hauteur du balcon, une triple fenêtre au deuxième étage et un attique curviligne flanqué de silhouettes féminines ailées. La partie de droite offre sous les fenêtres du premier étage une terrasse protégée d'une balustrade. Le rez-de-chaussée est traité en bossage de couleur rouge. Suivant. Là, vous voyez la réalité. Le bâtiment a été complètement restauré il y a 4 ans. Le suivant. Alors, c'est l'angle. Et à droite, vous voyez le lion. Suivant. L'arcade permettant l'accès à la cour intérieure est soutenue par une colonne. Image de droite, dont le socle et le chapiteau prennent la forme de feuillage au contournement expressif. Elle est fermée par une grille ouvragée au dessin capricieux et asymétrique. Cet élément s'inspire du motif que l'on peut voir à Paris sur la portique du Castel Béranger de l'architecte Hector Guimard, construit en 1898. Image de gauche. Largement publié dans les revues et dans les albums de modèles d'architecture de l'époque. Suivant. Une triple fenêtre au deuxième étage et un attique curviligne, flanque de silhouette féminine ailée. Suivant. Le sculpteur Sokolov réalisa également tous les autres détails sculptés, comme les figures sur l'attique, les garde-corps des fenêtres, les branches, les flammes, les visages, les couronnes de fleurs. Suivant. Voilà l'angle arrondi avec toutes les décorations en stuc. Suivant. Le coin de la terrasse supérieure est occupé par un lion en béton. Il est également, ou en ciment armé, comme on l'appelait à l'époque, il est également l'œuvre du sculpteur Sokolov. Suivant, les boutons, voici les boutons de tulipe comme garde-corps aux fenêtres. Suivant, l'entrée principale est couronnée d'un arc sur pilastre, décoré d'une tête d'homme et de femme, de jeune homme et de jeune femme. Voyez comment le jeune homme a l'air plutôt en colère, alors que la fille détourne son regard du sien. Le détail en architecture ne doit pas toujours être sérieux et froid. Suivant. Les espaces intérieurs sont implantés autour d'un hall semi-circulaire doté d'un escalier en spirale et orné de stucs floraux. L'escalier en spirale pousse, le suivant, l'escalier en spirale pousse comme un arbre, côté gauche, à partir du rez-de-chaussée et se termine par une lanterne au bel étage. Dia à droite. Suivant. La balustrade de l'escalier est analogue et semblablement inspirée de la maison Ruyabushinsky, actuellement la maison musée Gorki, conçue par l'architecte Fyodor Shekhl en 1902 à Moscou. Suivant. Ici, vous voyez les balustrades très élégante de l'atelier, de l'escalier qui monte. Suivant. Voilà, l'arrondi vers le bel étage. Suivant.
L'entrée secondaire et le hall d'escalier de la maison sont décorés de lambris Art Nouveau, d'un des paires de rampes d'escalier en Art Nouveau floral et d'une rampe en Art Nouveau géométrique très simple en fer forgé. Suivant. Ici, vous voyez les motifs du lambris qui sont en Art Nouveau et très ouvragés. C'est en, disons, un Art Nouveau pur. Et la rampe d'escalier qui est assez simple, mais dans un Art Nouveau géométrique en ferronnerie. Suivant. Et ça, c'est le départ d'escalier, le départ, et puis les branches qui se terminent par des lampes et des fleurs. Cet immeuble à appartement de 4 étages est conçu par l'architecte Ignacy Ledogowski entre 1910 et 13. La façade attire le regard par la présence de grands motifs sculptureux. La porte cochère est flanquée d'atlantes sculptées. De leurs mains sortent avec raffinement des turbans de plantes. Les sculptures aux contours fluides et sinueux sont l'œuvre de Fedor Sokolov, le sculpteur. Suivant, si vous avez l'entrée mieux détaillée. Suivant, et le personnage féminin et masculin qui entoure tout l'entrée. Suivant, ce vaste immeuble de la rue Lutaranska fut érigé par l'architecte Edouard Bratman en 1905 et 7 pour le marchand Sergei Achavski. Il présente une silhouette picturale. Le côté gauche de l'immeuble est déliminé par un pilier d'angle dont la base se poursuit au niveau de la clôture en un arc fluide. Sa façade principale, suivant, sa façade principale est encadrée de 2 avancées latérales, rehaussées d'attiques ornées de cartouches stylisées. Au centre, la partie saillante est couronnée par un attique de facture très originale. La sculpture qui orne cet attique représente une tête de femme à l'expression triste, qui a donné son nom poétique au bâtiment, la veuve éplorée. La façade principale est recouverte de bossages de blocs de granit gris qui couvrent le rez-de-chaussée, une partie de l'étage et les attiques. Les maçonneries sont en briques jaunes. Les encadrements des fenêtres au premier étage et des lucarnes sont en béton. Suivant. Ici, vous voyez le détail de la partie centrale à gauche et à droite, les balcons en béton. Les portes du jardin et de l'entrée sont dessinées en motifs géométriques assez simples, mais quand même avec beaucoup de caractère. Suivant. Un immeuble d'habitation d'allure très expressive, construit entre 1903 et 5 par les architectes Bratman et Schleifer, possède les caractéristiques de la sécession ornementale du début du XXe siècle. Les attiques aux lignes courbes, fluides et ondulantes d'inspiration baroque, des fenêtres aux arcatures différentes, les stucs aux formes sinueuses ou dotés de mascarons étranges. Suivant. Surtout, la façade au rez-de-chaussée et en mezzanine est remarquable par ses courbures qui semblent représenter un visage humain. Des yeux, au milieu un nez, une grande moustache et bouche ouverte en guise d'entrée. Suivant. L'immeuble au serpent, construit en 1911 et 12 par l'architecte Ledokovski, est un des plus intéressants de la sécession ornementale de Kiev. Malheureusement, il n'a pas été entièrement conservé lors de sa transformation sous le régime communiste. Depuis des années déjà, l'immeuble appartement est dans un état pitoyable. Suivant.
Le très mauvais état physique du bâtiment signifiera probablement la mort de ce bâtiment. Suivant. La dense décoration sculptée, qui fut probablement réalisée par le sculpteur Sokolov, se composait de motifs imaginaires. Dans la partie haute de la façade se trouvaient des mascarons et des compositions figuratives, dont on ne conserve aujourd'hui, voire à droite, la figure de femme ailée portant une couronne de fleurs. Suivant. L'image à gauche, à droite, sorry. Au-dessus de la grille d'entrée donnant sur le jardin, dans la partie basse de l'oriel, on peut voir un puteau ailé assis sur une noix. Ce thème fait référence à l'enfant et l'oie, cher à l'art hellénistique. Plus bas, sur les consoles, ont été représentés deux serpents s'enroulant autour d'une branche de châtaignier. Ce thème donne le nom à l'édifice. Suivant. Cet ensemble d'immeubles appartements à cinq étages fut construit entre 1908 et 11 par Leonid Rodzianko. Suivant. C'est par un jeu dynamique d'aplat et de décrochement que les façades sont animées. Suivant. La flore stylisée est caractéristique de la sécession ornementale. Suivant. Voilà, ici vous voyez les décorations florales autour de la porte d'entrée. Suivant. À l'intérieur, la décoration d'origine a été conservée, avec des cheminées ornées de portraits sculptés de Rodzianko et de sa femme Alexandra. Ici, vous voyez sa femme Alexandra. Le bâtiment est occupé par le théâtre Souziria. L'Art nouveau a connu... Oh, je n'ai plus d'image. Oui, voilà. L'Art nouveau a connu une renaissance à Kiev et depuis plusieurs années, différents bâtiments ont été restaurés, heureusement, restaurés et rénovés. Suivant. Un bâtiment assez étrange dans le jargon Art nouveau. L'ensemble fut construit en 1910 et 11 pour accueillir les banques du Crédit Agricole par l'architecte Kobelev. C'est un exemple brillant d'architecture Art nouveau géométrique. Il s'agit d'un mélange de germanique, de scandinave et d'Art nouveau. La juxtaposition en une composition asymétrique de volume grossièrement dessiné, l'agrandissement d'éléments isolés comme la grande tourelle d'angle en forme dôme en sont les principaux éléments. Suivant. L'architecture est géométrique mais aussi très détaillée dans cette façade. Suivant. Pour conclure, je vous montrerai quelques immeubles d'habitation restaurés ou non restaurés. L'Art nouveau à Kiev est très diversifié dans ses conceptions. Suivant. Les efforts déployés ces dernières années en matière de conservation, d'entretien et de rénovation sont tout à fait remarquables. Suivant. Suivant. Il est regrettable que cette architecture, ainsi que celle du 19e siècle et des siècles précédents, soit aujourd'hui gravement menacée. Je vous remercie.